tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un courrier, le courrier de Aurélie. Donc, Aurélie a une chaîne YouTube, c'est LilyFleur72. D'ailleurs, on n'est pas si loin l'une de l'autre, puisque moi aussi, je suis dans le 72. Donc, Aurélie m'envoie sa lollipop défi du mois d'octobre. Donc, voilà la jolie lollipop d'Aurélie. Voilà, spécial Fryend. Au dos, voilà, elle est comme ça. Sa petite carte, j'aurais dû commencer peut-être par ça. Elle est très, très mignonne. Je vous la montre. Joli petit renard. Voilà. Sur le thème de l'automne, je lis son petit mot. Oui, elle me plaît. Bon, il n'y a jamais de retard dans les courriers. Hein. Merci. Donc, elle m'a envoyé un petit sachet que j'ai du mal à sortir ce qu'il y a dedans. Ah, c'est coincé, j'arrive pas. C'est collé ou quoi? Hop, j'ai peur de tout casser. Alors. Ah, bah écoute, je vais déchirer le petit sachet. Désolée, mais je ne veux pas casser ce qu'il y a à l'intérieur. J'arrive pas à le sortir. Voilà. Donc, elle m'a envoyé des petits tamponnages. Voilà. Un petit pull de Noël. Une ampoule, une petite étiquette, une boule de neige, un petit, je sais pas, une petite enveloppe, un petit timbre, petite lettre, un petit courrier et deux ATC. Donc, eh ben, un sur le thème de Noël, donc, qui a été fait le 2 novembre 2019. Le thème, c'est préparation de Noël. C'est la 2 sur 6. Et un autre ATC, Be Happy, qui a été fait le 19 juillet, Abeille en folie. Et c'est le 4 sur 6. Eh bien, merci beaucoup Aurélie. J'espère qu'un jour, on aura peut-être l'occasion de se voir. Ce serait sympa. Voilà, eh bien, moi, je vous dis à bientôt. Puisque, voilà, je pense que les courriers Lollipop devraient s'arrêter. Mais ceci dit, les personnes qui veulent faire des échanges ou voilà, un échange de courrier, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous.